Ah, les efforts ne sont pas faits ensemble et c'est compliqué de défendre comme ça parce que il y a certains qui décident à ce moment-là d'aller presser. Il faut que tout le monde suive, sinon c'est compliqué. On a aperçu Mohamed Barakat, quel joueur lui aussi. Le centre de Fatih. Et ça, c'est une grosse faute. Une grosse faute emportée par son élan. Ah, c'est un geste complètement non maîtrisé. C'est gentil, un carton jaune. C'est jaune et orangé là. Si ça existe, bien sûr. C'est Luka Lungu qui commet cette faute. Alors ne vous y méprenez pas. Les personnes qu'on voit là, ce sont les officiels. C'est les seuls privilégiés de... dans ce stade de l'Académie militaire. Attention à ce coup franc. Ah, superbe! Didiaba qui répond donc à cette frappe, c'est pas fini. La défense qui écarte le danger. Et on va rendre ce ballon. Perte de balle, il est seul, il faut peut-être trouver une solution. Poto a le ballon qui est donné derrière et qui permet à toute la défense égyptienne de revenir. Et leur entraîneur me dit jouer en avant, mais c'est compliqué de jouer en avant, c'est sur le ballon, ce tacle. Attention, le contre maintenant pour les Égyptiens avec Abou Trika, le nouvel entrant. En l'occurrence, Mohamed Gaber. Pardon, j'avais perdu son nom momentanément. Ah, ils sont un peu dans le dur là, les... les joueurs congolais. Il y en a un qui est resté au sol, mais deux qui se poursuivent. Et on va mettre tranquillement cette balle en touche dans le camp de l'adversaire et permettre à la civière de faire son entrée sur la pelouse. C'est ouais, c'est bien lui, c'est Luka Lungu qui reste au sol. Thank you.
jeu qui est interrompu. On va faire un changement. La sortie de Lungu et l'entrée de Samata. Chérif. Long ballon. Ah, c'est pas. Autant le premier dégagement était normal, mais le deuxième, il pourrait chercher à mettre ce ballon au sol, jouer avec des partenaires. Attention, hein, à ne pas perdre le ballon sur ce côté-là. Drapeau levé, coup franc. Et c'est Samata qui est au sol et qui pousse l'arbitre à sortir son carton jaune. Ça fait donc normalement le deuxième côté égyptien. Et celui-ci, il est pour Saed Mouawad. Alors que le premier était, me semble-t-il, pour Walid Soliman, si j'ai bien noté. Attention à ce coup franc, écarté de la tête. Et ces relances hasardeuses. Encore pour les Égyptiens avec la sortie de Soliman et l'entrée à l'instant sous les ovations du
plus maigre public de Mohamed Najis Ismail. Alias Gedo. Avant de jouer à la Ligue, il a longtemps évolué pendant 5 saisons à l'Ittihad Alexandrie. 76 buts, 76 matchs, 23 buts. International évidemment depuis 2009. Et 11 buts marqués en 20 sélections. Très efficace avec la sélection égyptienne. C'était profonde. Un quart d'heure encore pour tenir l'exploit de ce début de Ligue des Champions, parce que ce serait vraiment une performance de la part des joueurs égyptiens de faire chuter le TP Mazembe, qui, je vous le rappelle, n'a plus perdu de compétition officielle depuis très très longtemps. Les consignes, on entend complètement ce qu'il dit, l'entraîneur de cette équipe du TP Mazembe, qui demande à ses joueurs de s'encourager mutuellement, parce qu'il y en a qui ont commencé à baisser la tête et les bras alors que le score n'est que d'un but à zéro, et qu'ils ont largement les moyens, en tout cas au vu de l'effectif dont ils disposent, de au moins d'arracher le match nul. Mais bon, facile à dire, difficile à réaliser. Congolais qui, tant bien que mal, essaye de repartir à l'attaque. On va écarter le ballon sur le côté gauche. Ah, il est complètement... il s'est embrouillé tout seul, là, Deo Kanda. Et là, maintenant, il faut faire l'effort pour revenir récupérer. Et encore à l'expérience, Aboutrika va bénéficier d'un coup franc, et même... contraindre l'arbitre à donner un carton jaune. Allez, 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 allez.
au joueur fautif sur ce coup-là. Et c'est Nathan Sincala qui prend ce carton jaune. Qui reste longuement au sol. Son apparition, hein. Il faudrait pas qu'il sorte sur blessure. Ce serait une bien mauvaise nouvelle pour son équipe et ses partenaires. On s'est un peu ennuyé dans cette deuxième période. Autant en première, il y avait évidemment l'ouverture du score et on attendait une réaction de la part des Congolais. Elle a été timide en première période et derrière, depuis maintenant 80 minutes, c'est presque soporifique. Charge de Alice Ekona. C'est bon. Les Congolais qui jettent leur dernière force dans la bataille, il reste à peu près une dizaine de minutes et il faut aller faire quelque chose, au moins tout au moins. C'est carton rouge. Parce que très honnêtement, Kimwaki, il n'y avait pas intention de faire mal, mais c'est ce pied en avant qui rippe sur le genou d'Abou Krita qui contraint l'arbitre à sortir le rouge direct. Et vous avez remarqué que toutes les deux fois où Abou Krita a demandé un carton,
il a obtenu un carton jaune pour un adversaire et un rouge à l'instant pour Kimwaki et le TP Mazembe qui va terminer à 10. Il en a vu d'autres. C'est d'ailleurs lui qui va probablement céder sa place dans un instant à Abdallah Mahmoud Saïd. Peut-être que finalement cette infériorité numérique est un mal pour un bien pour les Congolais parce que ça peut leur permettre de montrer un peu plus de solidarité entre eux et de s'arracher. On a tellement vu d'équipes en difficulté qui se sont serrées les coudes au bon moment pour se révolter. Kanda qui cherche une solution, mais voyez comment il n'y a pas de solution. Et Trésor Mputu qui est chargé d'animer l'attaque congolaise a complètement disparu de la circulation. Kanda. Ah, il faut maintenant faire la différence tout seul et pour pouvoir mettre ses partenaires dans les meilleures conditions parce que elle est en place cette équipe égyptienne, même si là on a trouvé Kassessoula. Ah, égalisation, comme quoi le comme je vous le disais il y a quoi, il y a quelques minutes, l'égalisation au moment où on s'y attend le moins. En plus, et devinez qui a marqué, Samantha, la future star tanzanienne dont on parlait tout à l'heure. Oh, le... L'énorme surprise pour les Égyptiens. Il reste 5 minutes. Évidemment, les Égyptiens vont jeter leur force dans la bataille. Ça va laisser des espaces dans le dos parce qu'ils ne peuvent pas rester là. Mais comme les Congolais sont dans une dynamique, on va dire, positive, ça peut nous donner une fin de match spectaculaire. Deux changements, les deux derniers changements. La sortie du numéro 18, Renfok Kalaba, pour l'entrée de Loussa Dissou.
Bassissila. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire l'entraîneur de cette équipe congolaise? Sans doute chercher à fermer la boutique. Ça va pas être simple. À 10 contre 11, il va falloir garder ses nerfs, rester lucide. Parce que honnêtement, c'est inespéré. Pour le TP Mazembe de tenir pour l'instant le point du match nul. Présent Foutou et le contre pour les Congolais. Foutou qui va bénéficier d'une touche. Attention à ce ballon aux abords de la surface de réparation. Ballon encore gratté par les Congolais qui maintenant attendent et rôdent autour des Égyptiens. Ah, ils se sont endormis les Égyptiens tranquillement gérant leur avance. Évidemment, ils n'avaient pratiquement pas été mis en danger. Du coup, sur un malentendu, il concède donc ce but égalisateur. Et les voici en train de courir pour tenter d'arracher la victoire. Il y aura 5 minutes de temps additionnel dans cette partie. Impossible pour l'arbitre de tomber dans le piège du pénalty qu'on recherche gratuitement là. De toute façon, c'est clair, le but des Égyptiens, c'est d'aller de rentrer balle au pied dans la surface de réparation des Congolais. Et comme on est à la fin de la partie, presque espérer que par manque de lucidité, quelqu'un ne commette une faute dans cette surface de réparation, une faute irréparable, puisque ce serait pénalty. Mais attention, parce que derrière, une balle de contre, ça peut faire deux pour le TP Mazembe. À trop vouloir tout gagner, on peut tout perdre aussi. Attention à cette super déviation, le bon ballon. Et Diallo ! Superbe ! Abdallah Mahmoud Saïd. Le 1-2 parfaitement, c'est lui qui
Et oui, c'est Cézedo qui marque ce but. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était un excellent buteur. Quelle action! Le 1-2. Et derrière, le plat du pied qui ne laisse absolument aucune chance à Kidiaba. Ah, ils auront des regrets, les joueurs congolais, parce que ils tenaient presque, mais vraiment presque, ce point du match nul, et patatras. Une minute à tenir, bien sûr, pour les Égyptiens, pour l'emporter face à une équipe dont on disait qu'elle n'avait plus perdu depuis au moins une année en match officiel. Et qui ce soir est en train de rendre les armes sur la pelouse du stade de l'Académie militaire du Caire. C'est aussi la preuve que si les Égyptiens avaient appuyé sur l'accélérateur en deuxième période, peut-être qu'on n'en serait pas là, puisque ils auraient largement, peut-être, je dis bien peut-être, mené au score. Il a fallu cette égalisation pour les réveiller et leur dire si vous continuez comme ça, vous risquez de tout perdre. Et ils ont eu cette belle réaction d'orgueil. Les dernières secondes, on est largement au-delà des 5 minutes. Victoire donc d'Al Ahly face à OTP Mazembe, le héros du soir, le voici. Kiedo qui marque.